Nicodème, un pharisien, membre du Grand Conseil, veut connaître mieux Jésus. Il vient de nuit pour ne pas se compromettre. Jésus sait qu'au fond, il cherche le royaume de Dieu. Voilà pourquoi il commence par l'avertir qu'on ne peut voir le royaume à moins d'y être entré, et qu'on ne peut y entrer à moins de naître à une nouvelle vie, vie qui nous est donnée par le baptême et le don de l'Esprit. L'Esprit est comme le vent avec les forces humaines. On ne peut voir que ses traces. Aussi, tout ce qu'on peut voir de la vie nouvelle dans un disciple sont seulement les effets de cette vie. Nous comprenons que le point de départ pour avoir accès à la vie d'en haut est d'accepter la parole du Christ, parce qu'il est le révélateur unique il est le seul à venir du ciel. Et cette vie ne peut être connue de l'extérieur. Il faut en faire partie pour la connaître, pour l'expérimenter. De même, pour voir le royaume, c'est-à-dire pour connaître le royaume, il faut en faire partie. Enfin, la référence au serpent de bronze dans le désert dont parle Jésus, qui redonnait la vie humaine est comme un symbole de la passion du Christ, qui donne la vie éternelle à tout homme qui croit.